Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Alors, c'est un petit peu la suite de la vidéo d'hier. Donc la vidéo où on a parlé de l'harcèlement sur Movistar Planet. Et comme vous le constatez, je suis sur le compte de la personne qui m'a parlé. Et écoutez, on va voir un petit peu les messages qu'elle a reçus suite à ma vidéo. Elle a même reçu des demandes d'amis. Elle est très populaire. On va regarder ça un petit peu ensemble. Bon, je vous avouerai que mes intentions sont plutôt de vraiment déléter de son compte après, quoi. Mais d'abord, on va faire un petit tour dessus. Alors, il y a quand même des gens qui l'ont ajouté, qui sont VIP, hein. Mais les gens, mais pourquoi vous ajoutez pourquoi vous l'ajoutez? Pourquoi? Il y a quand même des gens qui l'ajoutent des niveaux 20 et tout, non mais je comprends pas. On va voir les messages, je pense que les messages ça va être assez marrant, on va voir, enfin ou pas, ou pas. Oh non, déjà je vois le premier message, je ne le lirai pas à voix haute, mais je vous laisse regarder. Ah bon, je fais cette vidéo parce que moi à la base je voulais déléter directement le compte, je voulais pas chercher à comprendre, mais je me suis dit... parce que la personne sûrement va voir cette vidéo là, pourra se rendre compte quand même des messages qu'elle a reçus, quoi, parce que sinon la pauvre elle le verra pas, hein. Mais bon, oh non, c'est pas gentil. C'est pas très gentil, hein. Arrête d'harceler les gens, ça fait pitié, les gens comme toi, t'es juste un monstre, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors je vous avouerai que le compte, je l'ai directement après notre... après avoir parlé avec cette personne. Je me suis dit, tiens, je vais tester le petit mot de page. Je sais plus c'était à peu près c'était quoi le mot de page. J'en avais essayé plusieurs. Mais honnêtement, c'était un mot de page, je crois, type lol 1-2-3 ou lolilol 1-2-3. Enfin, ce genre de mot de passe complètement insécurisé. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous regardent cette vidéo, hein, ne changez votre mot de passe si c'est celui que vous avez choisi. Parce que, voilà, bah, tout le monde essaye. Hein, la première chose qu'on fait quand on essaie de se connecter sur un compte, c'est lol 1-2-3, quoi. Je sais pas pourquoi, c'est à la mode ce mot de passe sur MSP, je ne sais pas. Enfin bref. Ensuite, on a un petit message de Libou qui dit salut et qui est toute contente. Oh, t'en prends pas la quinzaine. Oh, c'est chou. T'es vraiment méchante, t'as pas honte de faire ça, quinzaine, non mais vraiment, quoi. je sais pas ce qu'il y a marqué derrière, peut-être une insulte, je sais pas. Pourquoi tu harcèles quinzaine? Oh, mais vous êtes chou. Ah, oh, il y a quelqu'un qui m'a ajouté, bah attends, on va l'accepter en direct. Et la personne, elle sait pas hein, que je suis quinzaine sur le compte. On va essayer de lui envoyer, on va voir dans les messages. Ah, elle m'a envoyé un auto. T'envoies un auto aussi. Oups, désolé. Désolé, I'm sorry. On va. Coucou. Coucou, on va dire salut. On va dire salut. Et on va continuer les messages. T'as reçu 15 ans, maintenant tu te tais ou je te bannis à vie. Oh mon dieu. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens. Qui m'ont dit oui je vais signaler etc etc, mais que la personne n'a pas été bannie hein, quand même hein. Donc il y a eu pas mal de pas mal de signalements, mais la personne est toujours là. Et du coup ensuite tu menaces 15 s. Je suis désolée mais ce mot est trop mignon, sale puche. Ah, je suis pas trop pour les insultes à la base, mais franchement, le sale puche, il passe bien. Il passe crème. Sale puche, elle m'a tué. Merci Sarah Star, tu as refait ma journée. Franchement, j'ai bien rigolé. Ah, il y a une mademoiselle la toilette. C'est toi, t'es méchante avec 15 L et façon, t'es moche. C'est quand même une madame toilette qui me dit à 15 L la vraie que t'es moche, quoi. Ensuite, Lupette. Salut toi, salut, t'es méchante avec Kazel, de toute façon t'es moche. Je sais pas si c'est la même personne, c'est peut-être le même compte, parce qu'ils disent la même chose, de toute façon t'es moche. Amélie qui dit coucou. Bon, je pense que ça sert à rien de répondre. En tout cas, j'aime bien son petit look de Pikachu, il est sympathique. Miss Asen Altea, coucou, bonjour, bonjour. Et ça sert à quoi en fait de faire ça? Bah à rien quoi en fait. À rien.
Bon, tu veux être VIP? Sérieuse, je l'ai raté. On va dire oui, on va dire oui. T'es méchante, pourquoi tu fais ça? Non, je rigole, t'es sérieuse, la sale la puche, t'as le droit de dire puche, hein. C'est trop mignon ce mot. Connaître pourquoi t'as insulté Quinzel. Coucou, bonjour. Mais il y a vraiment des gens qui m'ajoutent encore, hein. Mince. Donne-moi ton pass et dans 30 minutes t'es VIP. Moi je fais envoie un ticket VIP. Mais ça sert à rien, enfin. Ça sert à rien. Enfin, je pense que la personne peut-être elle a vu ma vidéo et c'est pour peut-être se venger. Et du coup elle essaye de m'aider pour lui prendre son compte. Je sais pas, je pense plutôt que ce soit ça parce que en général les gens qui essayent d'arnaquer les autres c'est surtout pour leur prendre leurs affaires ou ce genre de choses. Et là pour le coup bah un compte niveau 3 quoi. Et en plus, enfin je suis assez d'accord avec les commentaires, elle est pas très très jolie. Je vais voir après, on va aller voir ce qu'elle a comme affaire. Je pense pas qu'elle ait grand chose, je pense qu'elle a que les trucs de base et des levels. Mais on va voir. Mais là attends, je l'ai accepté. Hop, on l'accepte. Ça se fait pas un message que t'as envoyé à Kinsey, tu devrais avoir honte, franchement. D'ailleurs, je vois toujours pas mon message, on va voir si elle a envoyé aussi d'autres messages à d'autres gens. Mais honnêtement, vu le pseudo de la MSP, qui est Quinzel Lavray, je pense qu'elle a été créée exprès pour moi, quoi. Mais bon, on va voir, on sait jamais, hein. J'ai pas, mais j'ai de l'argent, ma mère m'a donné 40 euros, et pour être VIP, il faut qui tue 3 euros. Oh, j'ai pas compris la fin. Alors d'où tu te permets de l'insulter? Oh c'est chou. Je suis trop fan de toi, s'il te plaît réponds-moi, je rêve que tu me roules sur mon compte VIP. Mais elle est sérieuse. Quinzel, faut que tu dises ça lol. Bah alors je sais pas comment elle a deviné que j'allais passer sur le compte. C'est la première fois que je crois que j'arrive à me connecter sur un compte qui ne m'appartient pas. Bon, en même temps, tu me diras avec un... Franchement, si ça... Franchement, je pense que si j'aurais sorti la vidéo sans avoir, entre guillemets, testé les mots de passe sur le compte-là, je pense que quelqu'un aurait trouvé le mot de passe et aurait pris le compte. Parce que dites-moi en commentaire si vous avez essayé, après avoir vu la vidéo, de se connecter sur son compte en testant ce genre de mot de passe. Mais en fait, c'est tellement prévisible, le pire, c'est tellement prévisible... Que les gens mettent ce genre de mot de passe quoi, c'est ouf hein. En même temps voilà, ça fait une petite vidéo en plus pour la sécurité de votre compte, un petit rappel. Ah bah tiens, ouais voilà, j'ai vu la vidéo. Ah j'étais pas tu t'es passé la honte dans la vidéo de Quinzel. Après honnêtement Elsa, je pense que Quinzel Lavray c'est un compte qui a été créé, donc on sait pas c'est qui est derrière ça. Je vais voir si elle s'est pas envoyée de cadeau. Peut-être qu'elle a envoyé quelque chose à quelqu'un et ce serait peut-être son autre compte. On va voir. Détective Quinzel, bonjour. C'est vraiment la Quinzel. Bah là oui, pour le coup, là oui. Tu vas arrêter, ça se fait pas. Sale peste, Quinzel fait une vidéo sur toi et c'est toi et toute ta famille qui va... Oh, c'est pas très gentil, hein. Tu es en train d'influencer Citron, surtout la reine des citrons. Oh, c'est mignon. Et du coup, bah écoutez, on arrive au bout parce qu'après, bah c'est moi, quoi. C'est moi, réponds. Bon, on va pas rappeler les mauvais souvenirs. Ah bah tiens, en même temps, je découvre que j'ai un nouveau look. Comment la look a fait un petit peu le tri cette nuit. Et du coup, je pense qu'elle m'a relooké en même temps. Et on va retourner sur les premiers messages. Pour voir. Bah alors. Pourquoi j'ai vu le message? Bon, on va y retourner après, au pire. On va faire ça. Bah dans ces bugs, y'a rien qui fonctionne. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, vérifier si elle a pas envoyé des cadeaux. Reçu, offert, rien. On va voir les vêtements qu'elle a. Bah franchement, rien non plus quoi. Elle a rien non plus. On va la reliquer, tiens. Bon, en même temps, il n'y a pas grand chose à remuquer là. Ouais, elle est mieux comme ça. Hein. Mince, c'est pas là où je voulais aller. T'imagines, je la mets VIP et tout en mode tiens, copine.
Bon, les messages, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les messages? Bon bah tant pis pour les derniers messages, hein, vous verrez pas les derniers messages, je sais pas pourquoi ça déconne, ça ne les montre plus. En tout cas, voilà, dites-moi aux commentaires si vous souhaitez qu'on délétète son compte ou pas. Et si vous voulez que je vous distribue le peu de choses qu'elle a, parce qu'elle a pas grand-chose, hein. Tu me diras, bientôt elle est level 4, peut-être qu'elle aura... Ah bah attends, on va tester level 4 en direct, peut-être. Voilà, si elle reçoit des jolies choses. Ouais. Y'a rien de spécialement, mais bon. Le short, ça va, il passe. On va prendre le short. Ouais, si vous voulez qu'on fasse une petite distribution, hein. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager si ça vous plaît, à mettre un petit like si ça vous intéresse. Et surtout, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous souhaitez que l'on fasse de ce compte. Honnêtement, moi, je serais pour le deleted. Donc, si on le deleted, bon, je ne sais, j'ai jamais deleted de compte, donc je sais même pas comment ça fonctionne. Au moins, ça permettrait de voir comment qu'on fait pour deleted. Je suppose en plus que la personne, je pense pas si elle aurait déjà récupéré le compte, ouais. Elle n'a pas mis de mail non plus. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vous fais de très 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 gros bisous. Et comme d'habitude, à bientôt pour une nouvelle vidéo, un prochain live. Gros bisous à vous. Et au revoir. Portez-vous bien.